Allez, c'est parti les amis pour les énergies du week-end 12 et 13 novembre. C'est parti! Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale les amis, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous ne prenez vraiment que ce qui résonne. C'est important. Donc nous avons l'endurance, nous avons l'abondance et nous avons le lâcher prise. Donc, il se peut que vous rencontriez pour certains des problèmes d'abondance, des problématiques d'abondance. Donc, l'abondance, ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental. Ça peut être également au niveau des énergies. J'ai vraiment ce ressenti qu'on vous invite à lâcher prise par rapport à ces problèmes d'abondance et à continuer malgré tout à avancer. Voilà ce qui me vient, les amis. On vous invite également durant ce week-end à poser un petit peu vos difficultés si vous en rencontrez, à lâcher vraiment prise sur aussi le fait de vouloir résister ou contrôler quelque chose. On vous invite à vous mettre en pause, j'ai l'impression quand même avec ce tirage, et à accepter un petit peu la vie comme elle vient, sans essayer de la contrôler, sans essayer de résister. Voilà, j'ai tous ces messages-là qui m'arrivent pour ce tirage, les amis. Voilà, donc on vous invite à être plus dans la détente. Ça tombe bien, c'est le week-end. Voilà, il y a une notion de vous enfermer dans quelque chose. Alors, j'ai le ressenti que certaines personnes résistent à quelque chose qui les rendrait plus heureux ou qui leur permettrait de se sentir plus léger. J'ai l'impression que certaines personnes sont dans un contrôle absolu de leur vie et que ça les enferme dans quelque chose. J'ai le ressenti également qu'il y a une difficulté à accepter les choses, à les vivre comme elles doivent arriver ou à lâcher prise de certaines situations. En tout cas, avec la liberté, aujourd'hui, j'entends le mot enfermement. Donc, j'ai l'impression que pour certains, alors ça ressemblera, enfin, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais certains s'enferment dans quelque chose parce qu'ils résistent à quelque chose. Ou alors, ils ne veulent pas accepter la vie comme elle vient, en fait. Ils cherchent à contrôler les choses. Et là, on vous invite vraiment à vous détacher de tout ça, à faire rentrer l'énergie de douceur dans votre vie, de non-contrôle, de vous connecter à l'abondance. Voilà, j'ai toute cette notion qui arrive avec ce tirage, les amis. Allez, je continue. Ouais, il y a du stress, de l'isolement et des choses qui viennent vous titiller un peu, j'ai envie de vous dire. Il y a des énergies là qui vous mettent dans un état de difficultés ou voilà, il y a des énergies qui sont pas géniales là, mais j'ai le ressenti quand même que c'est des énergies que vous portez à vous-même. C'est quelque chose que vous vous faites porter parce que vous n'êtes pas dans l'acceptation ni dans le lâcher prise, vous êtes plutôt en mode résistance ou refuser la vie comme elle vient. Voilà les amis, donc là on vous invite peut-être à faire une pause, à aller prendre l'air aussi peut-être, à profiter de moments pour faire une petite introspection ou quelque chose comme ça, parce que j'ai l'impression avec ce tirage que vous vous enfermez dans quelque chose, voilà, que vous refusez d'avancer ou que vous refusez ce que vous amène la vie, là. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. Ouais, il y a une notion d'équilibre. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions quant à retrouver un certain équilibre. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Vous n'en comprenez peut-être pas le sens pour certains. D'autres sont en interrogation par rapport à vraiment un équilibre de vie sur le plan matériel et financier. Voilà. Et je pense que durant ce week-end, vous allez réussir à lâcher prise parce qu'il y a le lâcher prise et la victoire. Donc, il y a quand même quelque chose que vous arrivez à dépasser ou que vous allez
allez arriver à comprendre certaines choses pour sortir de ce que vous vous mettez sur vous-même, en fait, de ce que vous vous infligez. Voilà, donc là, ce tirage, j'ai plutôt envie de vous dire qu'il me fait penser au fait d'avoir confiance en la vie. Confiance en vous, d'abord, bien évidemment, et confiance en la vie, et être plutôt en mode lâcher prise plutôt qu'en mode ou acceptation plutôt qu'en mode contrôle et résistance. Parce que c'est cette façon, je pense, de voir les choses, c'est-à-dire si vous êtes dans le contrôle ou la résistance, qui vous enferme en fait. Voilà, alors qu'il faudrait plutôt laisser l'énergie circuler, quoi, et pas vous bloquer. Voilà. Voilà, donc ça parlerait peut-être pas à tout le monde hein, ce week-end. Mais en tout cas, voilà, profitez de ce moment pour peut-être prendre soin de vous, lâcher prise, au moins durant le week-end. Voilà, les amis. Allez vous connecter à la nature hein, également. Vous empêchez d'être heureux avec ce tirage. Il y a quand même quelque chose d'assez fort. On dirait qu'il y a quelque chose que vous bloquez à l'intérieur de vous, qui vous met du coup dans un état d'enfermement, d'instabilité et qui bloque votre joie, les amis. Comme si, pour certaines personnes aussi peut-être, vous vous empêchiez d'être heureux. Ou que vous vous laissiez envahir par vos soucis. Enfin, en plus, c'est des soucis, à mon avis, que vous vous mettez à vous-même également. Plutôt que d'avoir confiance. Il y a vraiment cette notion de s'empêcher de vivre son bonheur, s'empêcher d'être dans la légèreté. Voilà, il y a tout ça. Il y a toutes ces énergies-là durant ce week-end, les amis. Donc, lâchez prise, confiance, même si c'est difficile. Voilà, et essayez d'accepter de sortir de ce mode de résistance ou de contrôle. Voilà, connectez-vous à votre joie, ça va peut-être vous aider à vous libérer de certaines choses, au moins pendant un petit temps. Profitez aussi des bons moments, quoi, quelque part, hein, et essayez de vous sortir de cet enfermement qui, à mon avis, vient que de vous, là. Alors là, nous avons l'homme, l'enfermement et la naissance de quelque chose. Décidément, il y a vraiment quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne fonctionne pas, qui vous enferme, qui vous met pas bien du tout dans ce renouveau qui arrive. Il y a quelque chose. Alors après, il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour essayer de vous sortir de votre enfermement, mais je suis même pas sûre que vous le voyez. Voilà, ou alors il n'est pas encore là et vous êtes encore dans cet état d'enfermement. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans cette journée et dans ce week-end. Il y a peut-être à prendre conscience de quelque chose qui bloque en vous, quoi, lié à vous en fait, tout simplement. Certaines personnes se renferment sur elles-mêmes et s'empêchent d'accéder à de nouvelles énergies ou à l'arrivée de personnes ou préfèrent tourner le dos à certaines personnes. Voilà, il y a toute cette notion-là qui est présente en fait. Hein. Mais ça me fait vraiment penser au fait de faire confiance en la vie et il y a quelque chose peut-être à l'intérieur de vous qui vous empêche pour le moment d'être comme ça. Mais peut-être que simplement en l'accueillant et en prenant conscience, les choses vont peut-être un petit peu se libérer ou se débloquer. Voilà, parce que la libération, elle n'est pas loin. Hein. Elle n'est pas loin, mais là, j'ai l'impression que pour certains, il y a une notion un petit peu de travail sur le fait de lâcher prise ou alors d'accepter la vie comme elle vient, quoi. Et d'arrêter de résister aux choses. Ouais, il y a encore les nuages. Alors là, ce week-end, c'est moins moite-moite, quoi. Il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous et vous ne les voyez pas, à mon avis, avec les nuages. Mais ça va finir par s'éclairer. Hein. Donc, il y a quand même là une notion de partir de quelque chose qui est brumeux ou que vous ne voyez pas arriver. Il y a un nouveau chemin, vous avez du mal à le prendre ou à le voir. Mais il y a quand même cette notion d'y arriver après avec la carte de la réussite. Peut-être que vous êtes au début de ce chemin et que ça, vous ne voyez pas trop où c'est que ça va vous mener. Mais on vous dit que ça vous mène à la réussite. Quand même, de pas trop vous inquiéter, du coup d'accepter ce démarrage qui est un peu confus ou
où vous ne voyez pas trop bien les choses. Peut-être que c'est ça aussi qu'on vous invite. On vous invite à continuer sur ce chemin, même si vous ne voyez pas ce que ça donnera au bout. Et lâcher le mode résistance et avancer en confiance. Et avec la réussite, j'ai vraiment un sentiment de, même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, il y a quelque chose qui se met en place pour vous qui avance. On vous invite à avancer sur ce chemin et on vous dit, mais faites confiance, lâchez ce mode résistance, ça va vous réussir, ça va vous apporter quelque chose de lumineux. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous ne le voyez pas, vous avez du mal à lâcher prise, les amis. Ou vous vous déconnectez de l'abondance par rapport au relationnel. Voilà, il y a vraiment toute cette notion, voilà, et de début de chemin... qui vous met dans un état de questionnement parce que vous ne savez pas où c'est que ce chemin ou cette ouverture ou les choses qui arrivent vous mèneront. En tout cas, avec le soleil à la fin, c'est que quand même, on vous invite à continuer en fait, à continuer à persévérer, à continuer d'avancer, à être plutôt en mode confiance parce que c'est vraiment le maître mot de ce tirage. C'est vraiment, voilà, vous connecter à la confiance, vous mettre en mode confiance justement. Et que même si vous n'avez pas toutes les réponses au départ, ou que même si c'est encore un peu brumeux, ou que même si vous ne comprenez pas certaines choses, ça va s'éclairer. Voilà, et plutôt que d'être dans la résistance, de refuser d'avancer, on vous invite à avancer sur ce chemin parce que les choses vont s'éclairer au fur et à mesure. Et à lâcher complètement prise sur le résultat également. Si vous lancez quelque chose ou si vous vous engagez sur un nouveau chemin qu'aujourd'hui vous ne savez pas ce que ça va donner, on vous dit vraiment de lâcher prise et de toute manière, avec ce tirage et cette évolution de cartes, c'est du positif à la fin. En plus sur la fécondité. Donc il y a quelque chose que vous allez démarrer et que voilà, qui va être positif les amis. Hein. Vraiment, vraiment. Donc mettez-vous en mode confiance. C'est le mode confiance qu'on décide ce week-end les amis. Voilà, même si c'est très simple à le dire au niveau des mots. Voilà. Qu'à l'intégrer réellement ou l'incarner, c'est pas évident. Voilà, mais en tout cas, là, on vous invite à vraiment être dans la confiance, le lâcher prise, l'acceptation plutôt que la résistance. Mais on a encore le lâcher prise. Voilà, lâcher prise par rapport aux choses qui ne se passent pas comme vous le désirez avec l'échec. Lâcher prise peut-être par rapport à ce que vous avez traversé. Il y a aussi la notion de continuer à avancer, je vous dis, même si vous ne voyez pas le résultat ou de continuer à faire confiance sur ce que ça va apporter par la suite. Voilà, il y a... Et plus vous serez dans le lâcher prise et plus, je pense, les choses vont se mettre rapidement en place en plus. Où les choses vont venir rapidement s'éclairer sur votre chemin ou vous rassurer. J'ai vraiment toute cette notion-là, les amis. Hein. Donc, continuez et mettez-vous en mode confiance. Voilà, donc pour celles et ceux à qui ça parle. Allez, je continue avec le tarot. Il y a une notion d'introspection. Donc, oui, on est toujours dans ces énergies-là. Voilà, il y a des choses qui vont se construire, il y a des choses qui vont se construire, sauf qu'aujourd'hui, vous voulez contrôler certaines choses. Avec la surveillance, j'ai vraiment la notion de vouloir contrôler certaines choses. Eh bien, écoutez, on vous invite vraiment à lâcher prise. Hein. Je me répète, mais c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage. Il va y avoir la construction où il y a le démarrage de la construction de quelque chose. On vous invite à continuer, même si... vous êtes dans une insécurité par rapport à ça, même si vous ne voyez pas ce qui va en ressortir. Et on vous demande vraiment d'avoir confiance. Cette carte de la surveillance, qui d'habitude n'est pas positive, me fait penser à votre ange gardien qui vous observe dans cette construction, qui est à vos côtés et qui vous dit de continuer à avancer, que si quelque chose s'ouvre, même si ça ne vous paraît pas génial parce que vous ne voyez pas trop ce que ça va donner, on vous invite à vous reposer pleinement sur ce qui arrive à vous, en fait, d'accepter la vie pleinement comme elle arrive. S'il y a des choses qui arrivent pour vous, ce n'est pas un hasard. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là. Allez, je termine avec le tarot, les amis.
Allez. Alors, nous avons le cœur brisé, nous avons l'empereur et nous avons le 7 de denier. Donc là, il se peut que c'est le potentiel et le succès. Hein. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, alors peut-être que certaines personnes vont avoir des procédures juridiques, hein, parce qu'il y a quand même la notion d'avocat par rapport à une trahison et de succès. Donc, peut-être qu'il y aura des réponses dans des démarches juridiques. Qui vont peut-être tarder, de ce fait on vous demande de lâcher prise, mais ça va être positif à la fin, et ce qui arrive c'est du positif les amis. Donc peut-être que dans ce week-end vous êtes encore dans une attente ou qu'il y a des choses qui traînent par rapport à une séparation, une blessure de cœur, on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça. Pour d'autres il y a eu des trahisons, des séparations, des choses qui vous ont lourdement affecté, qui ont brisé votre cœur, que ce soit en termes sentimental, mais ça peut être en termes amical et ça peut être en termes professionnel. On voit qu'il y a des engagements, des nouvelles personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, compter, et c'est amené à réussir. Ça peut être également une nouvelle union, association dans le travail qui est amenée aussi à réussir, et on vous dit que vous avez tout le potentiel en vous pour avancer. Pour d'autres, il y a la création de certaines choses. Peut-être que certaines personnes se sont lancées à leur compte, même si le démarrage est décevant, clairement. On leur dit de continuer à y croire avec l'endurance et la persévérance, parce qu'il va y avoir des gains, il va y avoir quelque chose de positif qui va en ressortir. Mais tout ça, je pense que c'est après. Parce qu'aujourd'hui, là, les énergies quand même du week-end, c'est de vous mettre en mode confiance et lâcher prise et accepter ce qui arrive et vous dire que le meilleur arrive. Voilà. Et donc ça, je pense que ça arrive par la suite, en fait. Voilà. Voilà, et ben écoutez, là j'ai la carte de l'oracle que je me suis créée. Il y a marqué « Une guérison demande toujours un peu de temps, les amis ». Donc si vous êtes dans un mode où c'est un petit peu bloqué, ben, on vous demande de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur la vie, d'avoir confiance. Et certainement que vous êtes en train également de guérir certaines choses, d'où le fait que ce soit un petit peu figé pour le moment. Et on vous dit que ça arrive, donc c'est très beau parce que ça va dans le sens où mettez-vous en mode confiance, vous verrez, tout ira bien par la suite, quoi. C'est vraiment ce qui en ressort de ce tirage. Voilà, chers amis, pour cette guidance du week-end. Je vous souhaite un très beau week-end. Surtout, prenez soin de vous. Lâchez prise et reposez-vous. Hein, et faites-vous plaisir aussi. Je vous souhaite un merveilleux week-end, les amis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies quotidiennes. Bye bye.